Salut à toutes et à tous, c'est Koinski. Allez, on reprend sur Civilization 5. Et je pense qu'il est temps au niveau de mes technologies, j'ai terminé le tir à l'arc, de poursuivre dans la voie militaire. On va déjà, ce serait intéressant de pouvoir construire des routes, également d'avoir des moulins à eau puisque j'ai des rivières le long de mes villes. De même, j'aurai archer sur char grâce aux chevaux. Et ça me donnera l'accès ici aux mathématiques avec notamment la catapulte qui va me permettre éventuellement d'aller envahir Paris. À relativement court terme, donc je pense qu'on va le faire, on va prendre la roue et puis on prendra sans doute directement la maçonnerie dans la foulée. On verra si j'ai besoin d'autre chose ou pas, mais je pense pas. Donc on va faire ceci. Alors toi tu vas te soigner. La très ennuyeuse Catherine a été s'installer dans la riche vallée, là, très très fertile. Annonçons-nous au monde notre déclaration d'amitié. Ok, travaillons ensemble pour le moment. J'ai une déclaration d'amitié avec eux et j'en ai une aussi avec le Maroc, il me semble. Bon, j'ai pas trouvé le info addict, je sais pas, il se met pas chez moi, j'ai pas de bouton, j'ai pas trouvé l'interface pour y accéder. Donc tant pis pour cette partie-ci, on essaiera de le faire fonctionner pour une autre partie, à moins que vous, qui êtes en train de regarder la vidéo, vous savez me dire comment on y accède, mais moi, il paraît que c'est un bouton quelque part par ici, mais moi, je n'en trouve pas. Donc, j'ai dû faire une mauvaise manip au niveau de l'install. Alors, j'ai terminé le défriché. On va construire la plantation. À Olundi, j'ai un problème, c'est que parti comme c'est, il va me falloir 14 tours encore pour la grande bibliothèque. C'est quand même beaucoup. La plantation va me donner plus 1 en or, mais ne m'apportera pas plus de production. Ouais, c'est un petit peu embêtant quand même. Ah, ici j'avais même pas fait la plantation. Bon allez, je vais la faire ici. Je suis un petit peu loupé ici, faut dire. Fetawi Hong Kong Zbachin Hoy. Nkwanda Namata. Ene Haile Selase, Rastafari Makunen, Yetiopianugusin Nanta Tamman Agal Gaining. Ok, très très bien. Alors ici. Des barbares dont je pourrais me débarrasser, je pense. Ah, oh, je me suis trompé, zut. Est-ce que je pourrais avoir mon tour? Le peuple aimant le plus lire, c'est le nombre de technologies découvertes. Je suis toujours vachement à la traîne. Pas trop quand même, mais deux en retard quand même sur les deux premiers, c'est quand même déjà beaucoup. C'est normal, on commence avec des sérieux désavantages déjà au niveau empereur, donc on n'inquiète pas pour le moment. La grande bibliothèque a été construite dans un pays lointain. Ouais, fallait s'en douter. Zut. Ah, la poisse. Moi, j'aurais pas dû le faire. J'aurais sans doute pas dû le faire. J'étais pas dans une position où je pouvais produire beaucoup. J'aurais dû tenir compte du fait que ma ville n'était pas très très bonne productrice. C'est une bêtise de ma part. Bon. Je serais tenté par Stonehenge, hein, mais on va pas se faire avoir deux fois. Alors. On va... un colon, j'en aurai un autre.
quand j'aurai la prochaine doctrine, mais c'est pas pour tout de suite quand même. Mais je crois que je vais pas en faire un autre pour l'instant. De toute façon, je suis encore trop au niveau de mécontentement, donc ma croissance que je vais avoir grâce aux nouvelles ressources ici, elle va partir dans mes villes ici pour qu'elle puisse croître. Une bibliothèque, ce serait pas mal quand même. Terminer l'exploitation d'un élevage de chevaux ici. Une route, ce serait pas mal pour avoir une route commerciale entre guillemets. Je pense que dans cet épisode-ci, ça rapporte de l'argent quand même. Même si je suis pas mal hein, au niveau de l'argent. Quelles sont les cases qui m'intéresseraient le plus ici? Est-ce que je pourrais en acheter une qui m'intéresse? Ouais, ça c'est pas mal, hein, ça va me faire grandir. J'aurai bientôt le grenier aussi. Sinon il y a ceci, mais je l'aurai assez rapidement. Euh, 33 tours avant expansion, j'ai quand même le temps. Tac tac tac, je crois que je vais quand même pas acheter, je vais exploiter ceci. Parce que je vais la travailler quand ma ville va grandir. Moins de nourriture, plus 1 de production, plus 1 d'or. Bah écoutez, il faut quand même le faire, de toute façon, on va essayer de récupérer cette ressource qui va me donner du bonheur. La sagesse et la vertu sont comme les le deux. Le moulin à eau, c'est deux de nourriture et un de production. Alors, c'est pas mal. Il y a deux d'entretien, ce qui est assez cher. Mais c'est bien. Alors là c'est fait. Je vais aller exploiter directement ceci, je pense. Si je voulais avoir plus de production, je pourrais aller faire une mine, acheter ici une... D'ailleurs je pense que je vais le faire. Je vais le faire, mais d'abord je vais faire ceci quand même. Parce que les plus 3 de bonheur supplémentaires, ils vont vite être partis. Et on va faire comme prévu, on va aller vers... Moi je pourrais faire les pyramides, essayer de les avoir pour avoir... une vitesse de construction des aménagements de 25% et deux ouvriers et aussi des points d'ingénieur illustre, ça c'est quand même chouette. C'est quand même vraiment bien. On va retarder un petit peu la guerre pour faire quand même ceci. On va essayer d'avoir les pyramides. Par contre, si je veux les pyramides, je me dis qu'il faudrait quand même mieux avoir plus de production ici. Je vais aller... J'ai rien de mieux à acheter, je pense, que ceci là-bas. Si je veux produire, ce sera vraiment le mieux.
Attila, mais quel... Ah là là, il est fou ce gars-là. C'est un vrai fléau, et il est Selassie. La guerre, j'ai besoin d'alliés. Mais non, mes excuses, mais ça ne m'arrange pas non plus. Pas pour le moment. Ok, ça c'est très bien, on va donc l'exploiter dès que possible. Enfin, on va l'exploiter tout de suite, mais on aura ensuite une plantation dessus qui va rajouter un bonus sans doute d'or. Attendez. J'ai terminé le grenier, ok, ça c'est super. Donc on va pouvoir commencer à croître très rapidement ici. Et je dois me préparer à la possibilité que les Français me déclarent la guerre au bout d'un moment, donc je serais tenté de faire un archer avant toute chose. Likanda, ça va prendre beaucoup de tours quand même. Je vais avoir des problèmes de productivité ici, hein, je l'avais dit. Il faudrait que j'aille jusqu'ici prendre ceci. Et ce serait une bonne case à exploiter. Il y a aussi éventuellement la colline ici qui pourrait être utile. J'hésite. Perdre un peu de temps au niveau de mon développement pour faire un archer. Ou un archer sur char carrément, serait peut-être plus utile. Je vais faire... Ah là là, c'est quand même 20 tours. C'est vraiment, vraiment long, quoi. Je vais faire un simple archer ici. Marrakech qui est à ma foi une assez belle ville, hein, et c'est eux qui ont construit la grande bibliothèque. C'est le Maroc. Et ils ont aussi le grand phare d'ailleurs ici, qui est soit en construction, soit déjà construit, je sais pas exactement. Alors, à Ulundi, on vient de terminer la bibliothèque. Ça, c'est bien quand même. C'est peut-être plutôt Ulundi qui aurait dû produire un archer vite fait, bien fait. Ça aurait été mieux. C'est mieux. Dans 10 tours, on va obtenir un citoyen. Dans 3 tours, j'aimerais commencer la construction des pyramides. Ça me laisse peut-être tout le temps de faire un archer et de perdre un tour sur les pyramides, ce serait un peu dommage. J'ai pas trop envie. Ou alors en 3 tours je peux faire un éclaireur. Ça me sert plus à grand chose. Le moulin à eau est vraiment très utile. Je pense que je vais commencer sa construction. Oh là là, Catherine est complètement dingo là, elle est en train de s'étendre comme une malade. Et le Maroc est encore passé devant elle, donc lui aussi devient très puissant. Tandis que Napoléon et Attila constituent le fond du panier.
Heureux, oui, bien heureux. Allez, ça y est, on a la maçonnerie, les remparts, les pyramides, construire les carrières et assécher les marais. On va se remettre en automatique. Mais avant, je vais décider de ce que je vais faire ici à Olundi. Est-ce que j'essaie de terminer le moulin à eau pour avoir un petit peu plus de production pour réaliser les pyramides, ces 22 tours. Je crois que je vais le finir. Et avec la mine encore en plus, ce sera pas mal du tout. D'ailleurs, je vais essayer de l'exploiter peut-être déjà maintenant. Ouais, je mettrai quand même 5 tours et en plus, là, je vais quand même encore croître dans 7 tours. Donc ça vaut la peine. 5 tours, je vais grandir. On va essayer de grandir, de gagner vite un... J'aurai quand même le moulin à eau dans 5 tours, de toute façon. Sauf que là, je vais avoir un citoyen plus vite. Donc, on passe sur les mathématiques. Je vais me remettre en auto. Ouais, c'était bien le phare, le grand phare qui était en construction et non pas fini, sinon j'aurais été averti avant. Alors Napoléon se frite avec des barbares, c'est des guerriers, des bêtes guerriers, voilà qui est réjouissant. Alors, 3 tours avant d'obtenir un citoyen. Je ne peux pas le baisser, ce nombre-là. Si on passe à 4 tours, on va rester sur 3 tours. Mais... Je sais combien de surplus de nourriture ici? Plus 4. Je vais, papapam, il me faut encore une case qui produirait éventuellement encore de la production en priorité. Donc je vais racheter une case ici. Et on va aller l'exploiter pour faire une seconde mine. Alors Catherine veut commercer avec moi, très bien. La population ici a augmenté, on est à 3. Ça paraît pas trop mal, ça va continuer à grandir en exploitant pas mal de bouffe, pourquoi pas. On va laisser ainsi. Napoléon a déclaré la guerre à Catherine. Qu'est-ce que c'est que ce fou? Voilà un fin stratège, tiens. Et Attila a déclaré la guerre à Catherine. Je pense que... Sans doute Attila a dû demander à Napoléon de l'aider dans sa guerre, en tout cas j'imagine. Et Napoléon s'est dit qu'il était protégé par la puissante armée Zoulou, qui s'interposerait facilement contre le passage des troupes russes. On va dire que c'est ça. En fait, il s'est dit qu'il était assez loin pour être tranquille. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, il est hors de question de laisser Catherine s'en prendre à notre proie, à nous. C'est nous qui devons prendre Paris. Même s'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse à Paris, hein, franchement.
Des teintures, j'en ai. Des oranges, des agrumes, j'en ai aussi. Donc, bof bof quoi. Mais ce sera une ville déjà bien développée, donc ça vaudra la peine. Alors ici, on a développé ceci. On a gagné un de production et perdu un de nourriture. On a gagné le bonheur, évidemment. Les épices, je crois que je n'en ai pas encore. Pourtant, je peux en avoir ici, mais j'avais oublié de faire la plantation, ce qui était assez ballot. Donc, je vais commencer par ça. Alors, Aulundi. On a terminé le moulin à eau. Ça, c'est très très bien. Je commence à avoir une bonne production quand même. Certainement ici, on va fixer. Je suis à 25 tours avant d'avoir un citoyen. On va pas se préoccuper de ça pour l'instant. On va vraiment miser sur la production maintenant. Là c'est bon, là on va dire que je peux pas trouver beaucoup mieux. Ça c'est très bien, ça c'est pas exploité, mais il y a ça, c'est à peu près, c'est mieux. Donc ouais, je pense que c'est mieux, le mieux que je peux faire pour le moment pour avoir pas mal de production. Et donc en 16 tours, je peux avoir les pyramides. On essaiera d'accélérer en défrichant un petit peu de forêt peut-être. On va tenter le coup. Vraiment que je fasse les connexions urbaines, la connexion urbaine ici, hein. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais les pyramides sont en train de se faire. Attention ici. Alors mon unité d'archer est terminée. On va faire quelque chose d'un petit peu plus utilitaire, hein. Le monument historique, ce serait vraiment bien. Je l'aurai quand même assez rapidement, ça me permettra de m'étendre. J'aurai besoin de beaucoup de m'étendre ici, hein, notamment pour choper tout ceci. Il sera toujours bien d'avoir la culture aussi. Au tour prochain, je vais passer à la prochaine doctrine sociale, j'aurai donc un colon gratuit. Ça, j'avais pas anticipé. C'est ballot. Parce qu'il faut que j'aille me placer quelque part, évidemment, faire ma nouvelle ville. Et j'ai pas du tout prévu d'endroit, en fait. Tout le nord est bouché maintenant. Il reste ici l'est. Et le sud. Ou alors ici. Ici, ça pourrait être pas mal d'avoir une connexion avec la mer. Ouais, c'est parce que j'ai une ambassade que je peux voir la capitale. Je serais très tenté de venir mettre une ville un petit peu excentrée, mais qui aurait un accès à la mer. J'en ai besoin d'en avoir un idéalement de chaque côté. J'aurai en plus des pierres précieuses, du fer, pas beaucoup mais un peu, des poissons pour nous nourrir, des bisons aussi, donc c'est pas trop mal comme endroit. Il y a de quoi faire de la production aussi, ça pourrait être faire un port industriel assez important. Alors... on va quand même prendre ceci, hein. Je vais avoir un colon, on va décider après où est-ce qu'on va l'envoyer, avec quelle unité en soutien. Il faut de toute façon amener un... comment dire,
le faire escorter par une unité. Alors ici, celle-là et ceux-là, ils sont cuits de façon quasiment. On va essayer de le faire survivre, mais ça paraît difficile. Monaco a terminé son projet. La quantité d'influence gagnée en cas de don d'or est de nouveau normale. Ok. Donc écoutez, nous on va se quitter là et dans la prochaine vidéo on va fonder notre troisième ville, on va commencer peut-être à construire une armée un petit peu plus conséquente, j'espère que j'aurai les pyramides. On va pas laisser Paris grandir trop non plus. Et donc si tout va bien, d'ici une paire de vidéos on aura une nouvelle ville plus peut-être une ville conquise, on verra. Éventuellement on aura à s'occuper du cas du Cap aussi, s'il y a moyen, peut-être plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur Civilization 5. Salut tout le monde.